Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le jeudi 2. Petite vidéo haul action. J'ai été faire 2-3 courses et du coup, je vous montre ça. Bon, ça, vous connaissez tous, c'est les Cheetos, j'adore ça. Voilà, c'est pas bon pour ce que j'ai, mais je m'en fiche. Voilà, j'en ai pris 2 paquets. Ça, c'est pas un haul. Je suis une fan des sockets. J'adore les sockets courtes. J'adore ça, j'en ai plein. Dès que je peux en acheter des nouvelles sortes, j'en achète parce que je suis fan de chaussettes courtes. Donc voilà, j'ai pris celle-là, elle est rayée. Celle-ci bleue à petits pois. Et celle-là, les bleues avec les petits cœurs. Il me semble qu'elles étaient à 1,59€. J'ai pris des petits animaux, j'en ai pris que 2 en plastique pour mettre avec les autres animaux des petits. Les animaux. Donc là, il y a une hyène et une hyène. Et un âne, c'est pour mettre dans la caisse des animaux des petits. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. C'est des masques pour cheveux, enfin, c'est des bonnets pour cheveux. Donc, vous avez le produit qui est de ce côté-là, le bonnet qui est de ce côté-là. Vous mettez le produit, vous mettez le bonnet pendant 20 minutes et ça vous fait un soin de cheveux. Donc, Nord voulait. J'en ai pris 3. Voilà. J'ai vu qu'ils avaient des boîtes de washi tape super jolies. Donc, je m'en suis pris une boîte. Ils sont comme ceci. Voilà, ils sont super beaux. Pour mettre dans mon planeur ou pour des créas. Ça peut être pas mal. Voilà. J'ai pris ces Metallic Markers. Oui, encore des marqueurs. Donc, j'ai pris ceux-là. Donc, il y en a un vert, un bleu, un violet plus soutenu et un autre bleu. Donc, ils sont effet métal. J'ai pris celui-ci. Pareil, effet métal. Voilà. Je ne me lasse plus des feutres. J'ai pris ce parfum de chez Vanderbilt. Moi, je connaissais le vieux Vanderbilt où la boîte est toute rose claire. Je ne connaissais pas celui-là de chez Gloria Vanderbilt. C'est minuit à New York et je l'ai senti. Du coup, ben, je trouve qu'il sent, il est très agréable, il tient bien. Donc, voilà, hein, c'est parfum pour dépannage, il est à 9,95€. Voilà, ils sont bons. Et il y en avait un autre, le packaging était vert, et c'est pareil, l'autre parfum était verte. Bon, celui-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas senti, donc je ne sais pas, j'étais attirée par celui-ci. Moi, je connaissais l'ancien Vanderbilt. Et je ne connaissais pas, ils en ont sorti deux autres sortes. Donc voilà. Je vais l'essayer. Mais là, je l'ai depuis un petit moment sur moi. Et je trouve qu'il sent pas mal bon. Je me suis repris des eyeliners. Enfin, des eyeliners. Des crayons à paupières. Voilà. Les uns à l'autre 3. Max est mort, voilà, donc c'est noir, donc je vais essayer, voilà, de chez Action, je vais essayer, écoutez, hein. J'ai pris du dentifrice, le Oral-B complète, fraîcheur intense, je l'avais déjà pris et je trouve super bien, et bah, beaucoup moins cher que si on l'achète à U, quoi. Moi je vais à U et c'est quand même moins cher que chez U. J'ai pris, alors ça c'est pareil,
de chez Ultra Doux de chez Garnier. Ultra Doux de Garnier. Le douche soin base lavande d'origine végétale, crème d'avoine et amande douce. Pour les adultes et les enfants, nourrit et apaise et convient aux peaux sensibles. Donc, il fait 500 ml. Il est à 2,49 €. C'est même pas ce que coûtent les petits chez U. Des petits de chez Garnier, ils sont presque à 3 €. Et ils font la moitié de ça. Donc, je me demande du coup si je ne vais pas aller... chaque soir acheter les produits de salle de bain. Il me fallait du démaquillant. Donc, j'ai pris de chez Alvira Skin Care yeux et make-up remover. Comment on dit, remover. La marque en français, cette chose-là. Lingette démaquillant yeux et visage. Nettoie la peau, élimine facilement. Huile et maquillage waterproof. Bon, c'est pas mal. Convient pour les peaux sèches et sensibles. Donc, du coup, j'en ai pris 2 paquets. Et ça, c'était à combien? Est-ce que j'ai mon ticket par là? Non, je n'ai pas mon ticket. Mais il me semble que c'était à 89 centimes, il me semble. Et j'ai pris toujours chez Alvira, la marque, le biphase démaquillant, biphasé yeux et, pour les yeux et les lèvres. Donc j'ai pris ça. Vous voyez, vous secouez comme ça. Et ça se mélange. Donc je vais l'essayer. Parce que du coup, j'ai repris à me maquiller. Mais forcément, quand on se maquille et qu'on veut se démaquiller le soir et qu'on n'a plus de pâte démaquillant, qu'on n'en a plus. C'est un peu l'eau et le savon, c'est pas top top pour se démaquiller. Donc voilà. Et en merdouille, parce que forcément, je vais chez Action et je suis passée devant des merdouillons. Voilà, ça m'a fait envie. Je ne devrais pas, mais bon, il n'y a pas de mal à faire du bien. Hein. Et puis ça ne regarde que moi. J'ai pris les sneakers crispy. C'est très très beau. Ouais. C'est très 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 beau. Donc voilà, c'était un mini mini haul. C'est parce que j'avais besoin en fin de compte de démaquillant. Au départ, comme d'hab, je voyais aller que pour un truc. Et on finit avec. Mais franchement, j'en ai pas eu pour très très cher. J'en ai pas eu pour très très cher. Voilà, ça m'a fait une petite promenade. Voilà, j'avais rien à faire. Voilà, quand on n'a rien à faire, ça fait une petite balade. Donc voilà pour mes achats. Donc mes achats beauté, scrap plus ou moins parce que bon, les feutres, c'est vrai que je les ai vus passer dans un hall, je les ai trouvés sympas. Je vais les essayer. Donc, ils sont comme ça derrière. Ça fait comme ça comme effet. Donc, je vais essayer ça. Marqueur double avec pointe de pinceau et pointe fine. Ah oui, d'accord. Donc, il y a la pointe fine et la pointe de pinceau. Voilà. Il y a 2 pointes, en fin de compte, de chaque côté. Voilà. Donc, ils m'ont fait de l'œil. Je les ai prises, c'était pas cher. Et la boîte de washi tape. En plus, ça est pratique, c'est rangé dans une boîte, c'est vraiment top. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je ne les avais pas vus encore. Donc, si vous les avez vus passer dans des halls, moi, je ne les avais pas vus encore. Ces washi tape là, dans des boîtes, il y en avait deux boîtes. Il y avait celle-ci et une autre sorte, mais l'autre sorte me plaisait moins. Donc voilà, pour mes petits achats... voilà, petits achats, voilà, tranquillou bilou. Et comme je vous ai dit, j'ai maintenant, quand je ferai mes achats ou retour de course ou tout ça, enfin bon, bien que mes retours de course, j'en ai parlé avec mon mari, eh bien, tu fais un retour de course, ça va pas, il me dit avec les courses de la semaine, mais j'y, c'est pas grave, j'y, c'est moi qui montre et puis toi tu ranges. Ça l'a pas branché des masses. Donc, je pense que je ferai un retour de course quand tu ne seras pas là et que je ferai mes courses.
toute seule, eh ben, je ferai mon retour de course, je vous montrerai mes achats et voilà. Donc voilà pour mes achats beauté, enfin démaquillant, bon, chaussettes. Alors franchement, j'en ai pas besoin parce que je vous assure, j'en ai beaucoup, beaucoup. J'adore. Je suis une passionnée de soquettes. Et oui, il y a des gens qui sont passionnés de soquettes. Ben, j'en fais partie. J'adore ça. Alors encore, elles sont pas originales. Je veux dire, bleu avec des cœurs, bleu foncé avec des pois, des petites rayures. Mais j'aimais bien les petits effets dentelés qu'elles faisaient en haut. J'aimais bien. Mais par contre, j'adore les soquettes quand elles sont un petit peu originales, en fait. Quand elles sortent de l'ordinaire, qu'elles ne sont pas communes et que tout le monde n'a pas ça à ses pieds. Mais là, ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'en achète chez Action. En plus, elles sont super. Elles sont toutes en coton. Elles sont coton stretch. Elles sont vraiment bien. Vous voyez, c'est la marque Cozy. Niveau lavage, elles se tiennent bien. Au niveau élastique, c'est pareil, ça ne bouge pas. Donc voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur ce petit haul. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai un retour sur ce démaquillant et sur les lingettes pour vous dire si c'est pas mal. Et sur les crayons. Le parfum, franchement, c'est de l'autre parfum. Je le trouve qu'il sent super bon. Il sent super bon et il reste bien sur la peau. L'eau de Vanderbilt, l'ancien, j'aimais bien de temps en temps. Quand on n'a plus de parfum et qu'on n'a pas eu le temps d'aller à la parfumerie ou que ce mois-ci, on n'a pas, parce que c'est pareil, le parfum, ça coûte très cher, qu'on n'a pas les petits sous-sous pour s'acheter le parfum qu'on met d'habitude. Parce que c'est une moyenne d'entre 60 et 80 euros, donc forcément, c'est pas donné. Ça dépanne bien, ça reste bien, ça tient bien. Moi, je suis pas mécontente. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Bye bye.